Pour mettre les choses au clair, disons simplement que ce que je vais te proposer ici en termes de matériel, c'est comment bien commencer à faire des chroniques de films sur YouTube. Et après, libre à toi d'y ajouter tout ce qu'il te faut pour commencer correctement et à ta manière sur Internet. Bon, déjà, en ce qui concerne le son, comme évoqué deux vidéos plus tôt, je te conseille réellement d'investir dans un bon micro-cravate pour commencer. Mais pas forcément tout de suite. Un micro avec un câble XLR. Disons que si tu pars là-dedans, tu vas devoir tout de suite prendre un enregistreur haut de gamme. Commence simplement par un petit micro-cravate à 20€ en mini jack, combiné à un dictaphone avec carte SD bien sûr, et si tu souhaites monter un peu en gamme, pars carrément sur un enregistreur zoom. L'entrée de gamme est tout à fait honnête en termes de prix, et si tu veux te permettre de prendre un petit H2N, pourquoi pas ? Tu y trouveras ton bonheur pour commencer les vidéos et il peut même te servir pour faire les voix off si jamais tu souhaites pousser l'expérience sonore un peu plus loin. Bon, tout cela, c'est histoire de bien te faire entendre. Mais forcément, lorsqu'on est sur YouTube, il faut également bien se faire voir. Et c'est là qu'entre en jeu l'appareil photo. Parce que je suis de ceux qui considèrent que si tu veux bien commencer sur YouTube, rien ne sert de partir dans une caméra. Et c'est peut-être pour cela que j'ai un peu de mal à comprendre ceux qui investissent dans une Blackmagic pour faire de la vidéo toute simple. Bref. C'est un autre débat. Je te conseille de partir sur la gamme de départ en termes de réflexes vidéo de Canon. Ou alors, de partir sur du Sony aussi. De mon côté, j'ai commencé avec un 600D de chez Canon, avant de passer sur un petit Sony tout à fait sympathique, mais qui te semblera un peu limité pour ce que tu veux faire. Puis, je suis repassé sur un 650D qui a tout de même tenu un bon petit moment et avec lequel j'ai fait un peu de tout. De l'incrustation fond vert et même un peu de court-métrage. Donc tu vois que dans le genre, cet appareil te permettra tout de même de faire pas mal de choses. Et encore aujourd'hui, il me sert d'ailleurs. Et puis ensuite, je vais combiner à la fois la lumière, que j'avais évoquée dans la première vidéo sur le sujet, et également le montage, parce que j'estime que c'est quelque chose de très important et donc qu'il faut du bon matériel pour ça. Notamment un bon logiciel. Au niveau de la lumière, comme je le disais dans la première vidéo, de mon côté je tourne avec des mandarines. Mais c'est parce que je m'en sers aussi pour des courts-métrages. Donc c'est un investissement à double ressort de mon côté. Je te conseille, pour toi en tout cas, de partir sur un set de shooting photo en sachant que tu seras fixe durant une bonne partie de tes vidéos. Cela te permettra d'avoir un set qui se placera facilement et surtout qui te demandera peu de choses finalement pour avoir une lumière simple pour laquelle tu n'auras pas forcément besoin de faire des retouches de couleurs au montage et si tu cherches bien, tu peux t'en tirer pour pas trop cher. Rapidement pour ce qui est du montage, de mon côté je monte sur Final Cut Pro 7 mais c'est une sacrée licence qui coûte un peu cher. Je te dirais, si tu es encore étudiant, de plutôt partir sur une offre d'abonnement de chez Adobe qui propose Premiere Pro et After Effects à pas trop cher pour le coup et cela te permettra de voir venir. Et franchement, Premiere est tout de même un excellent logiciel de montage. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, tu te sentiras à peu près parce que pour la suite de cette émission, donc le mois prochain, on va passer à mon sujet préféré, le montage.